Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais pouvoir vous apprendre un nouveau tour de magie avec des cartes. Je vais l'effectuer devant vos yeux et ensuite je vais vous l'expliquer. J'ai mon jeu ici complètement mélangé, comme vous pouvez le constater de vous-même. Et j'ai ici étalé mes 4 as, respectivement dans l'ordre dans lequel je me trouve. J'ai l'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de carreau et l'as de pique. Ce que je vais faire avec ces cartes, c'est que je vais mettre des petits paquets de cartes sur chacun des as. Donc par exemple ça, je le mets sur l'as de trèfle. Ça, je vais le prendre, le retourner, excusez-moi, et le mettre sur l'as de cœur. Ensuite, je vais en mettre un petit peu plus gros, je pense. Ça, ouais. Ça, je vais le mettre sur l'as de carreau. Et je prends le reste que je retourne et mets sur l'as de pique. Une fois qu'on a obtenu ça, moi, je vais mettre les as dans le désordre, dans les paquets. Donc celui-là, je vais le perdre dans son paquet. Ensuite, ce qui va se passer avec l'as de cœur, c'est que je vais prendre l'as de cœur, je vais le retourner sur le paquet qu'on a formé, et je vais mettre le paquet qui était sur l'as de cœur au-dessus. Maintenant, je vais mettre le paquet de l'as de carreau en dessous de l'as de carreau. Je vais réempiler le tout pour faire deux paquets. Et je vais faire la même chose qu'avec l'as de carreau pour l'as de pique. Donc je le retourne sur son paquet et je forme un seul paquet. Voilà, donc maintenant mes as ils sont perdus dans le paquet. Le but du tour de magie maintenant ça va être de tous les retrouver. Donc tenez, soufflez sur le paquet. Voilà. Déjà avec votre souffle magique, vous voyez qu'il y a déjà une carte qui s'est retournée, un 7 de cœur. Donc après ça, il y avait un petit paquet qu'on va retourner et qu'on met à part. Donc écoutez. Le 7 de cœur, ce que je vais faire avec le 7 de cœur, c'est que je vais le prendre et je vais le mettre sur le paquet qu'on avait formé, qui était après le 7 de cœur. Et 7 de cœur, je pense que c'est pas un hasard si on est tombé là-dessus, c'est qu'on va tirer 7 cartes plus loin et on va voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7ème, c'est l'as de trèfle. On a déjà obtenu notre premier as, c'est pas mal, je le mets à l'écart. Je remets le paquet sur l'autre pour en faire un seul. Et maintenant, pour mon prochain, c'était l'as de cœur, c'est ça? Ouais, l'as de cœur. Soufflez encore sur le paquet, tenez. Voilà, c'est bien. Maintenant, vous voyez que vous avez retourné l'as de cœur. C'est plutôt pas mal, vous êtes un bon magicien. Donc, je prends l'as de cœur et je le place ici. Ok? Alors maintenant, le truc, c'est qu'on a trouvé deux as. Donc, je vais prendre les deux premières cartes du jeu et je vais les mettre en bas. Ça s'appelle brûler deux cartes du jeu. Donc, maintenant... Le prochain, c'était l'as de carreau, c'est ça? Oui, l'as de carreau. Donc, l'as de carreau. Vous savez, normalement, qu'en anglais, as de carreau, ça se dit Ace of Diamonds. Donc, comme ça, vous le savez. Et pour le retrouver, on va l'épeler. Par exemple, c'est juste une tentative. On va l'épeler A-C-E-O-F-D-I-A-M-O-N-D-S. Et ça nous donne l'Ace of Diamonds. Donc, maintenant, il nous reste l'as de pique, le dernier. As de pique, il se passerait quoi si je faisais ça? Rien? Ouais, non, rien. C'est pas avec ça qu'on va le retrouver. As de pique, vous savez que ça se dit Ace of Spades en anglais. Donc, on va dire, je sais pas moi, A-C-E-O-F-S-P-A-D-E-S. Non, c'est pas ça. Ah si, je connais une autre technique. Qui en fait consiste à alterner une carte au-dessus, une carte en dessous pour diviser le paquet en deux. Donc on va faire ça. Ça prend un petit peu de temps. Mais normalement, ça devrait être efficace. Donc voilà. Maintenant que j'ai ça, ça nous fait donc deux paquets. Un avec la première carte au-dessus du jeu complet et un avec la première carte en dessous de celle de l'autre paquet. Maintenant, je vais vous demander de choisir un jeu. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous choisissez celui-là. Donc, on va éliminer l'autre qui était en bas et on va toujours garder le paquet avec la première carte en dessous. Je recommence l'opération jusqu'à ce qu'on ait quasiment plus de cartes. Voilà, donc j'élimine celui du dessus, enfin de mon dessus et de votre dessous, et je le pose à côté. Je vais tasser un petit peu tout ça.
Voilà. Je vais encore réeffectuer l'opération. Ok, je prends ça, je l'élimine. Et une dernière fois, j'élimine. Voilà, donc maintenant, il me reste ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, je vais les poser sur le gros paquet. Et maintenant, je vais décaler tous ces paquets-là afin de placer celui que j'ai dans ma main à côté. On va voir un petit peu ce qui s'est formé avec les différents paquets qu'on a tirés. Vous pouvez constater qu'ici, non seulement j'ai retrouvé l'as de pique, mais avec les cartes qui restent, j'ai fait une quinte flush. On se retrouve tout de suite pour les explications. Ce tour est juste magnifique, parce qu'il est très impressionnant et qu'il ne repose sur quasiment aucune manipulation, juste une grosse préparation avant d'effectuer le tour au public. Donc, je vous conseille de mettre pause au fur et à mesure de la vidéo pour pouvoir effectuer la préparation en même temps que moi. Vous allez donc isoler vos 4 as pour vous en servir pendant la présentation du tour au public. Ensuite, vous allez préparer le 7 de cœur et le 8 de cœur isolés des as. Maintenant, vous allez sortir le roi de pique, la reine de pique, le valet de pique et le 10 de pique. Vous allez les isoler aussi. Suite à ça, vous allez tirer les 4 cartes du dessus, n'importe lesquelles, et les isoler aussi. Ça vous donne 4 paquets préparatoires dont ceux-ci ne seront pas retouchés, si je peux dire. Ceux-ci, on les isole. Les as, on va s'en servir seulement pendant le tour. Maintenant, on va toucher un petit peu au paquet des rois, dames, valets, 10 et au paquet des 4 cartes aléatoires. Vous allez effectuer cette préparation-là. Vous allez prendre une carte aléatoire que vous allez glisser entre la dame et le joker et les 3 dernières que vous allez glisser entre le 10 et le joker. Donc ça vous donne cette préparation-là. Ça vous donne roi, dame, carte aléatoire, valet, carte aléatoire, carte aléatoire, carte aléatoire, 10. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre gros paquet et vous allez mettre ça au-dessus. Voilà. Maintenant, pour le 7 et le 8, vous allez tout simplement mettre le 7 avant le 8. Et en partant de la fin du paquet, vous allez compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez le 8, puis le 7, et vous recouvrez avec le paquet que vous avez pioché. Voilà, votre jeu est prêt. Cette préparation est complètement invisible, tout simplement parce que le jeu est complètement mélangé et qu'il y a très peu de cartes qui sont préparées. Donc le public n'y verra que du feu. Maintenant, pour ce tour, vous avez besoin de maîtriser la levée double. Donc je vous invite à aller regarder d'autres vidéos sur YouTube qui pourront vous expliquer en détail comment effectuer cette manipulation. Vous allez trier les as comme ceci. As de trèfle, as de cœur, as de carreau, as de pique. Au début de ce tour, vous allez dire que vous mettez un petit paquet de cartes, un nombre complètement aléatoire de cartes, sur chaque as. En réalité, c'est faux, vous allez compter 3 par 3. Les cartes que vous allez mettre sur le premier as, et vous allez tout simplement en mettre 9. 9, ensuite vous allez les retourner sur le paquet, et le mettre sur l'as de trèfle. Maintenant, sur l'as de cœur, vous allez piocher que 4 cartes. Mais maintenant, ici, vous allez faire un break en dessous du 7 de cœur. Comme ça, au moment où vous allez retourner votre ensemble de cartes, vous allez piocher le 7 de cœur, en laissant ainsi le 8 de cœur visible. D'où l'intérêt de placer le 8 en dessous du 7, comme ça l'effet visuel n'est pas trop remarquable. Vous posez ceci sur l'as de cœur, en évitant de faire remarquer que vous avez le 7 de cœur retourné. Ensuite, pour le prochain as, vous allez, toujours en disant que vous mettez un nombre de cartes complètement aléatoire, en mettre 11. Vous allez tirer 3 x 3 plus 2 cartes. Vous allez le retourner sur le paquet pour en fait disperser l'attention du public sur le fait que vous avez fait la même chose ici. Et vous allez le poser sur l'as de carreau. Le reste, c'est un assez gros paquet par rapport aux autres qu'on a tirés, vous allez le retourner et le poser sur l'as de pique. A partir d'ici, il n'y a pratiquement aucune manipulation, si ce n'est un comptage à effectuer. Donc pour le premier paquet, avec l'as de trèfle, tout en parlant pour disperser l'attention du public, vous allez le glisser en quatrième position en partant de la fin. Donc voilà, ici vous avez
une, deux, trois cartes. Et ensuite, ici, vous avez l'as de trèfle. Voilà, donc ça, vous le posez un peu à l'écart. Et maintenant, en faisant très attention de ne pas révéler le 7 de cœur, vous allez prendre le paquet. Donc moi, j'ai une petite astuce. Vous allez mettre un doigt ici pour éviter que le tout bouge. Et vous allez récupérer les cartes par le dessous et les mettre dans votre main. Vous allez mettre l'as de cœur sur le paquet contenant l'as de trèfle. Donc voilà, et vous allez recouvrir le tout avec le paquet qui était sur l'as de cœur. Ensuite, tout simplement, vous allez retourner les deux as qui restent sur leur paquet respectif et réempiler le tout de la gauche vers la droite pour faire un seul paquet. Donc voilà. Là, on pense que le jeu est complètement mélangé, mais en fait, chaque carte est exactement à sa position prédestinée. Maintenant, vous allez demander au public de souffler. Bon, il va le faire, mais ça n'a aucune importance. Et le 7 de cœur que vous avez pioché en le retournant va donc apparaître comme étant la seule carte retournée. Maintenant, vous allez prendre le petit paquet qui était après l'as, l'as, pardon, le 7 de cœur. Vous allez le retourner, le poser à côté. Et c'est là que tout va se jouer pour le prochain as. Vous dites que vous prenez le 7 de cœur, mais vous ne prenez pas seulement lui, vous prenez la carte qui est en dessous d'elle. Donc, pour ça, comment vous allez faire? Vous allez faire glisser les cartes vers la droite, marquer un break en dessous de la carte qui est après le 7 de cœur, et prendre les deux cartes en les pliant un petit peu pour pas qu'on puisse voir au milieu qu'il y a deux cartes. Donc, c'est invisible si c'est bien fait. Maintenant, il faut le maîtriser pour que ça passe vraiment bien. Donc voilà, vous révélez pas que vous avez une carte retournée en dessous. Là, c'était une bêtise que je viens de faire. Et vous dites que vous servez du 7 de cœur comme un repère. Vous allez tirer 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la septième, ça nous donne notre premier as de trèfle. L'as de trèfle que vous isolez plus loin. Vous allez prendre le paquet que vous avez tiré et le retourner sur le jeu. Donc voilà, comme ça votre jeu il n'est pas mélangé par rapport à ce qu'on a pu faire au début. Maintenant, vous allez dire que vous voulez l'as de cœur. Donc vous allez souffler sur le jeu ou demander au public de le faire pour vous. Et vous allez révéler l'as de cœur qui s'est retourné. Donc vous allez tout simplement l'extraire du paquet sans retourner aucune carte et sans bouger aucune carte et le placer à côté. Maintenant, manipulation très 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 importante, vous allez faire passer ça comme vous voulez, mais il faut que vous brûliez les deux premières cartes du jeu. C'est essentiel pour le comptage qui suit. Donc maintenant, moi je dis qu'on a tiré deux cartes, donc on brûle les deux premières cartes du jeu, on les met en dessous. Mais vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez diviser votre âge par deux et dire qu'on a tiré un 7, par exemple si vous avez 14 ans et que donc comme on a divisé par deux pour avoir le 7, vous allez prendre les deux premières cartes, bref, n'importe quoi, pourvu que vous brûliez les deux premières cartes du dessus. C'est essentiel pour, donc maintenant, dire au public qu'on a l'as de carreau à retrouver et que as de carreau en américain ou en allemand, en anglais, pardon, comme vous voulez, ça se dit Ace of Diamonds. Et vous allez maintenant épeler A-C-E-O-F-D-I-A-M-O-N-S. Et le S, ça nous donne donc l'as de carreau. Si vous n'avez pas retiré les deux premières cartes, ça vous aurait donné une carte complètement aléatoire, mais pas l'as de carreau, et ça vous aurait fichu le tour en l'air. Maintenant, vous n'allez surtout pas recouvrir le paquet avec celui-ci. Vous allez le laisser de côté et vous en servir pour donc l'hésitation au moment de tirer l'as de pique. Vous allez donc faire ça, voilà, non, on n'a pas l'as de pique ici, bon, ben, on va changer de technique. On va dire que as de pique, ça se dit Ace of Spades, pardon. Vous allez épeler ACEOFSPADES. Et là, normalement, si tout se passe bien, vous allez toujours, toujours, toujours tirer le 8 de cœur. Donc, le 8 de cœur, vous allez le mettre tout simplement au-dessus du paquet. Et ça vous a déjà diminué le travail à effectuer avec une carte au-dessus, une carte en dessous. Maintenant, vous allez faire ceci. Vous allez alterner dans votre main une carte au-dessus, une carte en dessous. Ça va vous couper le paquet en deux, en fait. Mais d'une manière un petit peu particulière, parce qu'en fait, il y a un comptage là-dedans. C'est très mathématique, vous n'avez rien à retenir là-dedans, juste qu'il faut alterner une carte au-dessus, une carte en dessous. Après, le travail se fait tout seul. Voilà, et maintenant, pour faire participer un petit peu le public, parce que sinon, c'est vous qui faites tout, donc le public se doute de quelque chose,
vous allez demander au public de pointer un paquet, soit le paquet avec la carte au-dessus, soit le paquet avec la carte en dessous. Si il dit le paquet avec la carte au-dessus, vous dites très bien, vous avez choisi le paquet avec la carte du dessus, donc on va toujours garder le paquet avec la carte du dessus pour toutes les autres manipulations. S'il a choisi ce... On élimine donc ce paquet que je pose à côté du gros paquet et on va tout simplement refaire l'opération. Donc comme ceci. Pendant ce temps, vous pouvez parler au public sur votre vie quotidienne ou que vous aimez bien le poker s'il connaît la quinte flush. Et pendant ce temps-là, vous allez éliminer le paquet avec la carte du dessous. Vous allez refaire l'opération. Et vous allez toujours éliminer ça. Une dernière fois, vous allez l'éliminer. Voilà, donc moi, j'ai pas assez de place sur le plan, je vais essayer de tout décaler. Voilà. Vous dites maintenant que le paquet qui vous reste, vous allez le poser sur le dernier paquet. Et tout décaler ici vers la droite, parce que sinon, vous n'aurez pas la carte flush alignée dans le bon ordre. Donc maintenant, ici, si tout s'est bien passé, vous avez ici donc votre as de pique, votre 10 de pique, le valet, la dame et le roi. Voilà, donc c'est un tour très mathématique qui repose sur une préparation un petit peu longue, certes, mais ce tour franchement fait son effet, parce que même si vous êtes un débutant, vous pouvez apprendre seulement 2-3 manipulations, et ce tour passera tout seul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!